We heard about Cochin while we were growing up, but we didn't speak Malayalam. We just heard my dad speaking on the phone. And we wondered what it was. We didn't know what he was talking about. And then strange people used to come to the house when we were little and sleep overnight on the floor. And we used to think, this is really strange. We don't know who they are. They're our family, but we don't know them. And then when I was 22, I came to Cochin and I stayed with my auntie, baby auntie, my dad's sister. And I met lots of the family. And that's when I realized how important our name was, Koda. And I vowed that I would never change my name, and I didn't. I'm still Deborah Koda, even when I got married. I'm so proud of this community. I'm so proud to be a part of it, and I love it. We're standing in front of Kochi Paradesi Synagogue, where around 200 Jews from all over the world have come together. This is as a part of the 450th anniversary of the synagogue, and also one of the most important aspects of this reunion is that all the people who have arrived here belong to the second, third and fourth generation of the Jews who had, say, come over to Kerala from Israel way back. This one, you can see that it's very old. Mm-hmm. There's special atmosphere inside. Mm-hmm. In the Israeli synagogue, you enter and it's like, it's a synagogue, okay. But here, because it's so far and because it's so old, you feel like it's something unique. You feel the difference in the atmosphere inside. Mm-hmm. It's beautiful. And it's beautiful. Yeah, like, there are things here, you won't find in Israel. As a European Jew, I'm here firstly to celebrate this amazing community and my connection to it, because I'm married into it. But from a personal perspective, I'm here to honor a community that has lived in peace and harmony with its beautiful neighbors. ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി കൂടുമ്പോ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ട് പെരുന്നാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ for our festivals ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പോവും അവരുടെ അവിടെ കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് മലയാളത്തില് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ Oh,
Aussi des juifs en Inde, pas beaucoup, une centaine, rassemblés autour de leur synagogue dans un quartier de la ville de Cochin. Nous avons interrogé Simon Coder, chef de cette communauté, commerçant prospère de la ville. We have been here for the last 1900 years or more. We are supposed to have come to Cochin even before the destruction of the temple. Nous sommes ici depuis 1900 ans ou plus. Nous serions arrivés à Cochin avant la destruction du temple de Jérusalem. Nous n'avons jamais été persécutés ici, sauf par les Portugais. L'Inde est le seul pays au monde qui n'ait jamais persécuté les Juifs. Ma famille paternelle est arrivée ici il y a 200 ans, en provenance de Bagdad. La famille de ma mère serait venue d'Espagne à la suite de l'Inquisition. Les Juifs jouent un rôle économique important dans la ville. Ils rappellent volontiers que le Maharaja de Cochin s'était autrefois constitué une milice de soldats juifs. Now, what the use of going to Israel? This old age.
Je suis trop vieux et trop pauvre pour aller en Israël. J'ai 76 ans. It's always been small, the community. It's never been more than about 300. Now we have got only 100. Less than 100. La communauté a toujours été petite, environ 300 personnes. Aujourd'hui, nous sommes moins d'une centaine. Nous avons de bons rapports avec les Indiens, mais nous ne nous marions jamais avec eux. La communauté reste entre elles, et tous les Juifs ici sont plus ou moins parents. Nous sommes très heureux ici. Notre seul problème, c'est que la communauté est en train de disparaître. Les familles n'ont presque plus d'enfants, et beaucoup sont partis pour Israël ou vont partir. Moi, je partirai peut-être, mais seulement si le gouvernement indien nous laisse emporter notre argent. Ils ont quelque chose d'un peu dégénéré, de maladif. Dans ce pays où toutes les races se sont mélangées, la pureté du sang, jalousement préservée par cette communauté minuscule, débouche sur la stérilité. Me and my guitar.